guerre est déclarée. Ça n'a pas. N'a pas, n'a pas. Ça n'a pas. Annualisé. Ça n'a pas. La chronique des alcooliques. 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 Ça n'a pas. Vendredi, je suis sur Fanny, je t'ai pas frère au Jonesy. LCDA, ah 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 ah, de la da, ah 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 ah. You already know the vibe. Woo! Chronique des alcooliques, on est back avec un autre épisode. Woo! Tonight, c'est chaud. Oh, man. Le nombre de fois qu'il dit. Ok, y'a déjà compris le vibe. Sur ce, je suis votre host, Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardzilak, Mr. Talk The Talk, Walk The Walk. Back! Avec une nouvelle semaine, vous savez déjà, la brume est intense. Let's go! Mon autre host, Edlin, a.k.a. Mr. Pluggy. You know we're back in full effect. Ok, on a un autre host ce soir Là, qui vient faire la collabo avec LCDA. On a Mr. Margarita Papi Ray. Yo, yo. OK. What's up, guys? OK. Et ce soir, oh my God, l'invité de l'heure. Legend. Legend. Dans notre lingo, on appelle ça le OG. OG? Oh, OG. Ouais. Triple OG. Dans notre langage, on t'appelle le Cabri. Ça me rassure pas que tout le monde est parti à rire, tu sais. Hein? Mais c'est bon, c'est de GOAT. Je trouve qu'on profite de mon ignorance présentement. Tonight, nous avons l'humoriste, Monsieur Maxime Martin! Let's go! Ça fait 30 secondes que le podcast a commencé et juste l'intro que vous venez de faire. Je viens d'avoir 54 ans en fin de semaine. Je ne me suis jamais senti aussi blanc de toute ma colline. Je ne serai même pas de yo-yo. OK, il est avec nous. Il est avec nous. Represent, fuck that, esti. Non, non. Yo, hein, ça, c'est bienvenue dans la brume. Écoute, je vais même m'assurer que toutes mes phrases, que les virgules soient claires, qu'on identifie très bien mon whiteness au Javel, monsieur Kling, total, esti. Bienvenue à Montréal noir, esti. Bienvenue. Merci, honnêtement. Bienvenue aux chroniques des alcooliques. Exact. Non, mais attends, on peut pas disrespect comme ça. Faut présenter son chien aussi. Oh! La mascotte. C'est le premier, là, qui est venu avec, tu sais. Yo, c'est un chien, c'est vrai, hein? C'est une femelle, j'embarque pas dans ces... En 2023, en 2023, je suis pas sûr qu'on a le droit de dire ça. Et moi, son nom? Plus de chance de rien. Elle s'appelle Aura. Aura. Bienvenue. Bienvenue aux chroniques des alcooliques. Oh, elle est sur ta... Elle a pas peur du monde, hein? Écoute, elle est curieuse. Elle se demande ce qui se passe. Fait que... je réalise que... Oui, non, mais en même temps... Ça, c'est mon chien d'assistance, mais des fois, je suis son humain d'assistance. Comme c'est tu comme penses que je dis... Tabarouette, j'ai jamais le beau temps noir, man. Ben, honnêtement, après ce que je viens de dire, si je me suis jamais senti aussi blanc, je pourrais savoir un chien plus blanc, tabarnak, quand même, aussi. Aux yeux bleus. Écoute... OK! Wow! Exact. La brume est on! Chien blanc aux yeux bleus, c'est vraiment... Exactement. Tu l'as bien choisi, man. C'est quoi la... Il est arien. Arien, c'est ça. C'est la chaise arienne, ici, tu sais. Moi, il y a une certaine époque, j'appelais ça un déjeuner. Okay. OK, bon, c'est bon, on va rentrer là-dedans. T'inquiète. Les connaisseurs. On en a beaucoup à parler. Mais avant qu'on rentre dans l'épisode, je vais juste vous laisser savoir cet épisode est commandité par D1 Barbershop. Je vois beaucoup de monde qui ont besoin d'une coupe de cheveux dans la foule. Cash! Donc, si vous avez besoin de vous couper les cheveux, D1 Barbershop, ils ont 3 emplacements, Laval, Rosemère, Saint-Henri. Allez prendre votre rendez-vous sur d1barbershop.com. S'il vous plaît. Allez-y. Let's go. Let's go. Donc, comme on aime commencer l'émission avec les chroniques des alcooliques, on aime ça savoir comment la semaine de notre invité a été avant de venir aux chroniques. Donc, Maxime, comment a été ta semaine? Super belle semaine. Honnêtement, j'ai une belle vibe. C'était, comme j'ai dit tantôt, c'était ma fête en fin de semaine. Puis moi, c'est pas quelque chose que je célèbre. Moi, je célèbre les chiffres, les multiples de 5. Okay. Tu sais, 40, 45, 50, exact. Okay. En fait, à partir de 40 ans, je pense qu'on devrait juste y aller par tranche de 5. T'sais. Quelqu'un qui dit que j'ai 47, ça fait fucking loser, man. J'ai 40. What? 45?
49. J'ai 49. Non, tu vas avoir 50. Assume, calé, c'est ça. Mais, non, mais j'ai dit, ouais, j'ai fait des conférences, puis j'étais reçu par l'Océanic de Rimouski. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Une belle fin de semaine zen, très connectée avec la vibe de l'univers. Puis, okay. Cool. Comme je me promène avec Aura tout le temps, je suis partout en tournée, mais on a une tradition aussi quand j'en viens de faire de la route. À chaque 2 heures, on arrête, puis on choisit une terre de quelqu'un, on va se promener dessus. C'est fou le nombre de cultivateurs au Québec qui ne savent pas que mon chien, en fait, là, ça marque sur... sur la terre. A marqué son territoire. Donc, non, une belle période de vie, belle vibe. Fait que merci de le demander. Mais rendu à ton âge, est-ce que c'est genre la peau, c'est pour toi ou pour le chien? Les deux. Okay. Non, c'est correct, t'as le droit. Non, j'ai une fucking vestie de schtroumpf qu'on lit. Yo, il y a tes cours. Écoute, j'arrive ici à 8h30, je suis allé pisser 4 fois, tiens. Ah, shit. Il va plus souvent que le chien. Non, c'est ça. Non, écoute. Puis j'ai toujours une petite vessie. Puis c'est drôle parce que quand j'ai arrêté de boire parce que je voulais arrêter de faire de la coke, tu sais. Oh, putain. Ben, exact. Ben oui. C'était un ou l'autre. Sans l'autre. Ben, un allait pas sans l'autre. OK. T'sais. Exact. Ben non. OK, on s'en va. Faut le buffet. Les enfants de Dieu. Nous ne savons pas ce genre de comportement. Alors, yo, le méga capeur. Hey, bon. Écoute-le pas, OK? Ah non, j'ai catché carrément. Non, mais pendant 2 secondes, je veux dire... Je croyais surtout qu'il voulait lui-même le croire. Ah ouais, c'est ça. Il confessait, ouais. Je voyais que c'était vraiment... Dieu, il m'aime, hein? Il doit m'aimer encore, hein, malgré ce que j'ai fait. Il aime tout le monde, ça a de l'air. Malgré toute cette brume. Mais, j'oublie ce que je disais, mais bon... ah oui, puis c'est quand j'ai arrêté... Tu sais, même que ce soit de la bière sans alcool ou du Perrier, moi, tu sais, à chaque demi-heure, il faut que j'aille pisser, fin, je me retenais le plus longtemps possible. Tu sais, genre, jusqu'à avoir quasiment de la pisse dans les yeux, tu sais, wow. Pour aller pisser pour pas que les gens pensent que je faisais une rechute. Oh. Tu comprends? Ça, ouais. Hey, j'ai tout arrêté, mais tu vas aux toilettes à chaque 20 minutes. C'est un peu douteux, tu sais. Ah, mon Dieu. Ouais, ouais, ouais. Fait que, ouais. Non, je veux juste, je laisse même... vraiment pisser? Ben, je sens niaiser. Si j'étais allé rue Noire, ça allait, mais si, mettons, j'allais pisser dans la toilette avec la porte, je laissais la porte ouverte pour que les gens... Ils peuvent te voir. Que j'étais pas en train de sniffer. T'sais. Mais wow. C'est à ce point-là que t'avais besoin de l'approbation des gens ou bien comme? Rassurer l'entourage, j'appelle. Fait que t'étais connu pour ça, là. T'avais déjà une... Connu pour la poudre? Ouais. Une réputation, genre. Que j'ai travaillé très fort. À coup de plusieurs grammes, voici la liste des pocheurs que j'aimerais remercier. Ils n'ont pas dit ça dans ton wiki. Dans ton Wikipédia, ils ne parlent pas de ça. Non, mais ça a été une courte durée, mais une belle aventure. Une aventure poudrée. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ne sais pas où tu vas venir ici. Bon, OK. Ben, en passant, bonne fête. En retard. Merci. Ouais, non, je les accepte encore pour le restant de la semaine. Okay. Vous savez, jusqu'à la fin septembre, je les accepte. Okay. Facts. OK, ben, bonne fête en retard. Merci. Bon, qu'est-ce qu'un gars de 54 ans aime à recevoir comme cadeau? Mais non, 55, il t'a dit, il fait des bons de 5, lui. Ah, exact. Il n'y a pas de 54. Mais non, mais je vais attendre d'avoir 5. Là, j'ai encore 50. Oh! Je vais quand même profiter du fucking 5-0 jusqu'à la dernière seconde. Qu'est-ce que 50 aime recevoir? Moi, OK, j'assume. Moi, mes enfants de... Mes enfants disent, qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Je savais que... le budget était limité, même si ma fille fait de l'argent, je savais que, tu sais, elle va me raconter. Mais j'ai mon cellulaire à payer, j'ai ma carte de crédit à payer, j'ai comme, OK, j'ai comme fucking compris, arrête, tu sais, mais. Paye mon cellulaire. Mais là, je suis moins gêné de l'histoire de la coke, que de ce que je vais raconter. J'ai dit que je voulais aller aux pommes. OK. Exact, qui a dit au boy instantanément, Ben? Il n'y a même pas une pause entre le mot pomme et au boy. Yo, disrespect. J'aime ça aller aux pommes. C'est une autre affaire qui fait fucking blanc, c'ti, hein? Non, je m'objecte. Je m'objecte. Je serais surpris. Je m'objecte. Ouais, c'est parfait. T'aimes ça, les pommes? Ben, j'adore les pommes. Je parle pas juste les manger, aller les cueillir, là. Mais que t'affiches? Les gars disent qu'ils connaissent les pommes. Ouais. J'ai pas dit je connais, j'ai dit j'aime les pommes. Mais t'affiches, c'est les pommes. C'est le que les gens noirs que tu vas voir aux pommes, c'est sûr que leurs femmes sont blanches. Garanti. Non, moi, tu sais déjà, moi. Ben, j'ai vu, j'ai... Attends, non, mais là où j'étais, il y avait quand même beaucoup de gens du Moyen-Orient. Quelques Indiens, ils veulent hindous. Fait que je pense que tranquillement, ça s'en vient vers vous autres. Tu comprends-tu? Ben, faut montrer qu'on s'intègre. Bientôt, on va être propriétaire de la ferme de pommes. Ben, écoutez, les gars, ils s'intègrent. Ben, je vais cueillir des pommes, c'est-tu? On n'a pas le choix.
Sur un DJ, ah, là, qui fait de la musique. Non, c'est magique, c'est parfait. Next thing you know, on va aller cueillir des citrouilles, mon gars. Non, non, ça, c'est une Halloween, ça peut ben, yo, non, non, nous, ça serait smart, parce qu'on peut faire notre soupe jumeau après. Kek, les gars! Ah, non, là, là t'as entendu Maxime. Ouais, exact. Ouais, là, tu sais, la soupe le 1er janvier, là. La soupe de quoi? Nous, les Haïtiens, on a une soupe qu'on fait le 1er janvier. On appelle ça la vrai? Soupe. Ouais. Ben oui. C'est quoi? C'est une soupe jaune, là, genre. Une on appelle jaune? Ça la soupe jumou. Mais là, c'est parce que si t'achètes ta citrouille, si tu vas cueillir ta citrouille, c'est en octobre. Ouais, on l'a fait congeler. Fait que ta soupe jaune du 1er janvier, ça se peut qu'elle soit encore jaune. C'est clair que j'ai le goût de pas, c'est. Non, 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 tu faut que tu comprennes. Tu peux même dire, on l'épluche, puis on la met dans le congélateur. OK, ben oui, on est fort avec ça. Mais c'est pas la base de citrouille. Ouais, ouais, c'est la base de citrouille. Ouais, 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 ouais. OK, ben, OK. C'est quoi? C'est de la Et c'est quoi? Ah, mais c'est pas la même affaire. C'est de la Non, parce que je veux dire, Haïti, il n'y a pas de citrouille, on s'entend. Fait que... Mais le citrouille, c'est quoi? Oui, je... Hein, mais c'est pas orange. La même famille de courges? Non. Je sais, rendu yeah, là, c'est pas moi famille. Qui la prépare, son chien. C'est ça, c'est une courge, la citrouille. Bon, assis là, moi, c'est sûr, je pourrais pas dormir un soir si on peut pas y régler. On va démystifier Est-ce que ça. La citrouille, c'est une forme de courge? C'est un asti de grosse courge, par ouais. exemple. Yo. La courge. J'ai jamais calculé tout ça, mais... Moi non plus. Elle est bonne. Sincèrement, je savais même pas tout ça. Je calcule pas tout ça. Moi, je sais que le 1er janvier, j'ai pas le choix de manger ça. Ouais, on a pas le choix. Ouais, pas le choix, pas le choix. En passant, tu me suis fait de bénir podcast. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là. Je n'ai jamais passé autant de temps à parler de courge de toute mon esti carrière. Ouais, moi non plus. Soit clair. Moi non plus. Et, donc, on va passer à la semaine de M. Ray, qui est... Notre nouveau host ce soir? Nouveau host. Gars, jumou, c'est pumpkin. OK, bon. Ouais, c'est une courge. Non, c'est jumou. C'est une forme de courge. You know what? C'est ça. Non, le débat. C'est la famille des courges. On met un sondage. Yo, l'émission s'appelle pas le débat des courges, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous, là, mais... Je te comprends, Do, je te comprends, je te comprends. Je te comprends. Ray, est-ce que t'as... Ray, est-ce que t'as mangé des courges pendant ta semaine? Ou... C'est les chroniques des courges, là. Regarde, je suis allé aux pommes. Pour vrai? Ben oui, on est allé aux pommes. Avec les enfants? Génial! Ouais, vous n'avez pas rencontré? Il faut l'intégrer. Yes. Il faut lui montrer la culture. Mais hein? Moi, c'est la première fois depuis 20 ans que je n'ai pas été aux pommes. Mais... Il était temps. Puis, regarde, qu'est-ce qui était bizarre? Je suis comme, on est allé manger la pizza aux pommes. Je suis comme... Où c'est que t'es allé? C'est ça. Enfin, moi, je m'attendais à aller cueillir des pommes. On est allé là pour s'asseoir, manger la pizza, puis après cueillir des Même pommes. Êtes-vous allé cueillir des pommes au IGA, c'est-tu, ou... Yo! Là, tu sais, c'est pas ton maxi, bro! Même pas une table de regarder la vie, là! Saint-Joseph sur le lac. C'est quoi, ça? C'est un coin de Oka. Mais moi, tu vois, j'étais à Oka, il y a pas de pizza. Il y a des produits du terroir, des agriculteurs autour. C'est vraiment des pommes et sans oublier les beignets au sirop d'érable, ça, c'est... Ça, j'en ai mangé. Ah, tabarnak, c'est... Mais parce que c'est rendu... Ça, je regardais, je suis comme, gars, ça fait genre 20 ans, j'ai pas été, fait que c'est comme une expérience, mais un bistrot. Puis les autres sont reconnus pour la pizza, je suis comme, ça, c'est assez... Pizza aux pommes? Il y avait une pizza aux pommes. Moi, pour j'ai vrai? Pris une pizza margarita. Tu sais qu'est-ce qu'il a papé. Fait? Il a Google les trucs de pommes dans le coin. Il y en a vu un. Il a vu que ça appartenait à un latino. Il a dit, c'est sûr, je l'encourage. Il va. Quand t'as un truc de au pizza margarita. Attends, Verger la France. La France? Ouais, je suis pas encore latino, c'est italien. Comme je te dis, expérience, c'est rendu là. On est allé aux pommes. Mais aussi, on a organisé cet événement-là ici. OK. C'est ça la semaine. OK. Good. Shout out en passant pour ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? À part ma vie de papa, ma vie de famille, j'ai. Foutu que merde. Puis le dimanche, ben, j'écoute mon foot, puis that's it. Oh man, way to go. Go Niners. Oh bon. Fuck off. We already have a problem. Son équipe, c'est Giants, vous venez juste de jouer contre eux. Ouais, mais tabarnak, c'est pas de ma faute. Si on signe mauvais carrière pour les 5 prochaines années, c'est-tu? Ouais, calme-toi. True. Il y allait dans le personnel avec Gardilac. Calme-toi. Non, non, je vais pas te faire de la peine avec Daniel Jones, c'est-tu? Mais OK, il connaît son football pour de vrai. Calme-toi. Je pensais qu'il était en train de cap, mais c'est vrai. Non, mais vois ça comme ça. Vous allez avoir un excellent choix de première ronde. Au printemps. Au repêchage! Il est vraiment de ta gueule en plus, là. OK, j'arrête. J'arrête. Pas parler, mais bon. Pas c'est bleu. Pour moi, c'est la même chose. Football, vous savez déjà c'est quoi l'horaire. Jeudi, samedi, dimanche... Et lundi, il y a du football. C'est merveilleux, man. T'as oublié la NCAA le samedi ouais, aussi. Ouais, samedi, c'est pas le samedi NCAA avec Deion Sanders qui fait tout. Colorado. Des côtes montées. Chaque fois, il y a la télé, c'est incroyable.
Ouais. C'est beau à voir. Yo, c'est un All-Star Fest à chaque fois. T'as vu le sideline? Bro, c'est du jamais vu dans l'histoire de Colorado, ça c'est sûr. Comme non, non, c'est clair, mais tout le monde le sait, mais oui. Ça n'a jamais été une... Non, non, c'est pas une école reconnue pour, ce... un peu pour plus son succès. Jack Nicholson se pointe à la game, mon chien, un peu damn. Plus, là. Pour vrai? Yo, c'est que des stars. Je sais pas si tu niaises ou pas, parce que évidemment, ça, la... ça pourrait arriver. Non, mais yo, il ouais. y a tellement de stars sur la sideline pendant les games de Colorado live, là. Oh, ouais. C'est comme, yo, c'est ridicule, là. Wow. En fait, je pense, j'ai même entendu que LeBron James est arrivé en hélicoptère. Ça, je sais pas. Ouais. Ça, non, je serais pas surpris. Mais je sais ben qu'il était avec Bronny. Il était avec Bronny. Et là? Moi, oh, la routine, daddy duty, puis work. All right, all right, all right. Vite bon. Là, quoi, Luc. Bon, on guys, aurait... aujourd'hui, on n'a pas de taste, vu qu'on voulait vraiment respecter... Non, mais allez-y, gênez-vous pas. Ben là, j'en ai pas acheté une whiz. OK. D'ailleurs, moi, je m'attendais. Non, mais mets pas ça sur mon dos, bon. Non, j'ai pas laissé ton dos. Et dit qu'un jour, je respecte. C'est très gentil. Mais honnêtement, moi, ça me... T'sais, surtout pas après toutes ces années-là, là, mais tu sais... Ben, je comprends. Ah ouais. C'est très gentil, c'est très blood, comme on dit. Exactement. Je ne sais pas ce que ça veut dire par blood, mais c'est comme... Non, ben... on n'est pas des good gang ici. Ouais, le blood qu'on connaît n'est pas le même. OK. Ouais, exactement. Mon premier faux pas de la soirée. Je dirais pas plus, c'est très bro aussi, parce qu'on va faire ce que ça veut dire par là, tabarnak. Non, bro, c'est bon, bro, c'est bon. Bro, c'est bon, parfait. Merci pour le support moral. But still, guys... Mon segment de Sanabré, même s'il n'y a pas de Sanabré, il est commandité par mon GoPneu Clerval. Guys, sincèrement, là, tout le monde s'est rendu par ici de nos jours. Vous UBI du Tim Hortons, vous allez DoorDash du fucking, comment ça s'appelle, Cora Déjeuner. Arc. But, GoPneu Clerval, c'est un service à domicile, mobile, qui vient faire de vos changements de pneus à la maison. C'est la saison. Vous n'êtes pas sûr d'aller au garage. Garage sont full, sont là. Ils vont vous dire, oh, le 15 décembre, quand vous savez que vous devez changer vos pneus le 1er décembre, checkez GoPneu Clerval. Sincèrement, ce gars-là, il vous donne un service impeccable. Vous êtes en dans la maison. Il change vos pneus, il balance vos pneus. Il peut même faire l'entreposage de vos pneus. Sérieux. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner un chocolat chaud durant la période. De... OK, c'est que c'est faux fruit, puis je donne un chocolat chaud. Oh, shit. Mais still, il fait... C'est il un fait... bon pitch, tu m'as convaincu, man. Moi aussi. Il fait la vente de pneus usagés et neufs. Il fait les crevaisons. Puis ça, vous êtes à la maison. Vous n'avez même pas besoin de le voir. Moi, je vais juste peut-être dire, ça va peut-être juste dire, il répare les crevaisons parce que s'il fait des crevaisons, ouais. Ah. Exactement, c'est smart, il fait des crevaisons pour les réparer. Exactement. So, we good. Puis we il laisse good. Sa carte. Il laisse sa carte d'après. But guys, vous pouvez toujours le trouver sur IG, qui est, si je me souviens bien, attends une minute là, parce que je ne sais pas, c'est. Ouais, t'es IG, vraiment pas Hollywood, hein, toi. Clerval. Clerval. Son numéro au téléphone, c'est le 514-804. 47 93, il vous répond en tout temps, à part quand il travaille. Quand il fait les pneus, il ne va peut-être pas répondre, mais il va vous rappeler tout après, je vous le dis. Je l'utilise à chaque année. À chaque année, j'utilise. Et en plus, il fait d'autres voisins qu'il ne m'a jamais dit merci, mais c'est correct. Mais le service est impeccable. Let's go! Hollywood donne des cours de yo. Pub. Yo, bro, regarde, faut c'est affaire. C'est essayer, mon gars, il travaille les prises. Non, non, je non il parle de toi. Il parle de toi, oui. Il parle de toi. Tabarnak, j'ai... J'ai l'impression que je regarde mes grands-parents qui ont été mariés 50 ans en train de s'ostiner. Ça, c'est sûr. On s'obstine tout le temps, mal que qu'on s'aime. C'est la preuve d'amour. C'est ça l'important. Donc, on va passer à notre prochain segment. Ce segment-là est pour toi, M. Maxime. On aime ça? Donc, on a notre segment 50 Shame of Grey. Oh, shit. Hey boy, OK, all right. Tu as une minute
pour nous raconter, on a bien dit une minute, mais tu peux stretch un peu. Pour qu'on... nous raconter une des fois que t'as été le plus... Comment je pourrais dire ça? Des babas! Sa brosse! Des babas! Ben, en fait, non, mais j'écoutais vos histoires tantôt, puis... moi, je suis quand même fier, parce que vraiment, en 20 ans d'alcoolisme, j'ai vomi 4 fois. Oh, okay. Oh yes! Moi, oh. Puis j'étais capable d'en prendre. Avant de tricher, là, avant que je tombais dans le wake-up call, j'étais vraiment... Écoute, non, j'ai pour un gars de ma carrure, mais l'affaire la plus drôle dont j'ai jamais été témoin et dégueulasse en même temps est pas arrivée à moi, mais j'étais là... En fait, c'est les 20 ans de mon chum et on va chez Paris. Mm-hmm. Oh, nice. Et donc, on est assis. C'est quoi chez Paris pour les gens qui ne savent pas? C'est une autre sorte de place de buffet pour déjeuner. Et, OK, ouais. OK! Bonne réponse! Si tu veux déjeuner tard... Et on est dans l'espèce de boot, un peu, tu sais, demi-cercle. Ouais. On est comme 5-6. Il y a des Ontariens à côté de nous autres. Puis notre chum est en plein milieu. Puis, tu sais, on boit. Puis, erreur de junior, un peu comme tu as fait. Tu ne mélanges pas. Moi, j'ai appris ça vite, tu ne mélanges pas. Stick, sur ça, avec quoi tu as commencé? Man. Exact. Anyway. Et fait que là, on il est complètement sous. Et on lui paye une danse, puis la fille est sur le rond devant lui, puis elle se frotte un peu, puis on le voit, puis on dit non, ça y est, c'est rien. Et du coup, il se met à vomir sur la danseuse. Oh! Non, mais écoute, t'as jamais vu une femme crier de même, style vraiment, là. Ah! Mais tu sais, tellement sous choc qu'elle bougeait pas, fait que lui, continuait de vomir sur elle, tu sais. Oh! Et là, à un moment donné, c'était comme what the fuck. Et là, il s'est retourné vers moi et j'ai juste eu le temps de prendre. Il avait mis son manteau. J'ai juste eu le temps de prendre son manteau et de me couvrir. Pendant qu'il me vomissait dessus, mais tu sais, projectile vomiting. Là. Oh! Fait que sais-tu qu'est-ce que ça faisait? Moi, j'étais comme ça. Ça rebondissait sur mon chandail, en fait, sur son manteau, mais revolait sur les Ontariens qui étaient à côté. Oh! Fait que je pense qu'il est arrivé. Tout le monde debout, tout le monde prêt à se battre. Évidemment, lui, d'aucune aide pendant qu'il est en train de gérer sa vie, tu sais. Mais honnêtement, je n'ai jamais été sorti d'un bar aussi rapidement. Je suis pas sûr que j'ai touché à terre. Oh! Puis je me suis dit, c'est pas moi, tabarnak, qui a vomi, Chris! J'ai pas à payer pour son manque de tolérance pour l'alcool, esti. Wow! Fait que c'est une histoire, c'est... Yo, les gars! C'est une histoire que j'oublierai jamais. Vous rendez même pas compte, c'est même pas lui le sou, puis je suis fini! Yo! Je suis fini! Ouais. OK! C'était merveilleux. Définitivement une histoire qui monte sur le... Est-ce pas pire? Parfait. Cette histoire-là, vous l'avez pas ramenée à la maison, la danseuse. Cette danseuse-là. Alors, écoute, le restant de la soirée, fucking fou. On a pas arrêté de boire là. Si tu veux t'arrêter de faire crisser dehors d'un bar, tu continues à boire. Tu le pire de la danseuse. Oh, merde! Wow! Oh, yo, that was good. That one was good. Fait que t'es un vrai rat de Montréal, là. Pour dire chez Paris, là. Non, j'ai-tu respecté la minute? Oui. Oh, ben ouais. C'est correct, c'est correct. Bonne histoire. I like that one. Bon, maintenant, c'est le temps d'aller sur le hot seat, M. Maxime. C'est, le reste de l'épisode est directement juste pour toi. Juste pour toi. Mais avant qu'on passe à le hot seat, on va donner un shout-out à nos commanditaires. Layer Kings, vous savez déjà, tous les articles promotionnels que vous avez votre logo, vous voulez le mettre sur des chandails, sur des tasses à café, des verres, n'importe quoi que vous pensez, Layer Kings est là pour vous, professionnels. Donc, et en plus, Layer Kings sont les chers commanditaires qui vendent notre merch. LCDA, vous voulez les chandails, vous voulez look good, comme Hollywood, toujours on that swag thing. LayerKings.com, vous allez trouver la merch real quick. Et on fait un pourcentage dessus. Okay. Yeah, yeah, sure. LayerKings. Ouais. Ça me semblait trop généreux. Il y avait trop d'enthousiasme. OK, bon. Allons-y, le hot seat. On est là pour ça. On veut Maxime. Savoir. Yes. Woo!
Maxime Martin. Si tu répètes mon nom deux fois, ça m'inquiète déjà sur la question que tu vas suivre. Shit, tu devrais vraiment t'inquiéter pour le vrai. All right, OK. OK, j'ai commencé, fuck up. Let's go. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, t'aurais pu sortir tes balls comme ça sur stage? Même à l'époque, je pouvais pas, tu comprends-tu? Tu le fais, mais là, aujourd'hui, la manière que les gens sont sensibles... Non, honnêtement, en fait, je le ferais plus aujourd'hui même qu'à l'époque, parce que... Shit. Non, mais... Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, c'était plus un point pour soulever l'hypocrisie médiatique par rapport à l'humour osé, tu sais, je veux dire. Fait il y a plusieurs raisons pourquoi je l'ai fait. C'est ça qui m'intrigue. Ben, en fait, je vais essayer de faire ça quand même vite, mais moi, tu sais, j'étais parti en France pendant un bout. En fait, il y a 2 ans avant, à un gala juste pour rire, j'avais fait un numéro un peu 3X, mais tellement bien écrit. Pas pour me flatter, j'avais écrit ça avec Jacques Chevalier et tout ça pour que ça passe à TV. Tu sais, je disais que c'était un peu comme genre du Jeannette Bertrand qui parle de cul. Donc, tu sais, je voulais m'assurer que... Et comme de fait, ça avait passé à TV. Okay. Puis, tu sais, l'humour pour le showbiz en général, tu sais comment que c'est. C'est comme, ah, ça marche. En dedans de 2 ans, même ceux qui n'avaient jamais parlé de cul, tout le monde parlait de cul. Et là, les journalistes ont commencé à soulever la vulgarité des humoristes. Puis là, tout le monde a commencé à faire... Hey, puis là, t'avais l'affaire de piment fort, t'avais tout. Moi, j'étais parti en France. Quand je suis revenu, j'ai vu que tous les humoristes se pointaient. Ben, pas tous, mais il y avait des humoristes qui se pointaient du doigt ou qui disaient non, pas moi. Non, je suis pas de même. Puis j'ai fait asti, c'est ma gang, ça, Calis. Puis ça, on parle de début 2000, là. On parle exactement de 2000. Exact. Et je me souviens, j'étais avec la mère de ma fille à l'époque, puis j'avais dit fuck it, j'arrête de faire de l'humour. Si c'est ça mon milieu, je veux plus jamais. Puis je me... je me levais le matin, ce que je vais faire. Je... En même temps, je suis pas qualifié pour faire beaucoup de choses dans ma vie. je me souviens, juste pour rire, m'appelait Jacques Chevalier, m'appelait. À l'époque, j'avais réussi à... J'étais rendu à un stade de ma carrière où j'avais pas besoin de passer une audition ou de présenter un numéro. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire cette année? Puis Jacques me disait, justement, hey, t'as-tu des idées en tête? Je fais pas le festival, man, fuck off. J'arrête. Il dit, de quoi tu parles? Il me croyait pas au début, puis tu sais. Mais après une couple de fois, je suis vraiment sérieux, Carlis. Ça m'écœure ce qui se passe. Fuck it. Ça, c'est un lundi. Il me dit, regarde, on se rencontre avec José Fortier qui faisait la mise en scène des galas, qui a fait, entre autres, Yvon Deschamps. Ça te donne une idée. Ouais. Et on va se rencontrer avec José, puis si t'as pas d'idée, on te crisse la paix. Parce que je disais, non seulement j'ai pas envie, mais j'avais rien à présenter, vraiment. Et je me souviens, j'habitais sur le plateau à l'époque, dans le temps que le plateau était, tu sais, pour les artistes émergents et pauvres, et non, c'est le festival du bourgeois qui est des Français. Je l'ai dit, tabarnak, qui est des Français. Ça, parking. Exact. Et je me souviens de... Je vois encore l'image. Si je me réveille un matin, en même temps que Héloïse, la mère de ma fille, va faire... Je la vois encore allumer la machine à café. Je sais pas pourquoi, il n'y a aucun lien. Et je fais, hello, esti, j'ai trouvé. Elle dit quoi? Je sais ce que je vais faire, OK? Je dis, je vais me sortir une couille. Et elle m'a dit, pourquoi? J'ai fait, je ne sais pas encore. L'intuition. Mais pour vrai, je savais que ça allait finir de même. Mais là, j'étais excité de mon idée. Puis je me disais, voici, ça va. Je savais que c'était... Puis je suis arrivé au meeting le vendredi. Puis tout excité, là. Je rentre, puis Jacques, puis José sont là. Dis, puis t'as trouvé quelque chose? Man, c'est carrément, man! J'ai un hostie d'idée. En fait, quoi? Je me sors une couille. Puis là, il y a un silence. Et en fait, ce qui a été beau, c'est qu'on a écrit vraiment le numéro comme un plaidoyer d'avocat. On est parti, tu sais, du punch, puis on a tout écrit à reculons, tu sais. Fait que je me souviens, mais tu sais, il y avait un petit côté genre « fuck you tout le monde ». Puis... Et c'est drôle parce que, tu sais, quand je l'ai fait, je me souviens ce soir-là, Lise Dion qui... T'sais, après, écoute, évidemment, c'était, tu sais, après le gala, t'as l'espèce de tente, after party, tout ça, puis à l'époque, tout le monde était là. Après, puis les idiots étaient venus voir, elle dit, Chris, elle dit, s'il y en avait un qui veut faire ça, c'est toi. Puis ça, j'oublierai jamais ça, Guy Lepage était venu me voir, puis il avait dit, sincèrement, même dans les bonnes années de RBO, on n'aura jamais été jusque-là. Oh, et j'avais pris ça comme un assez compliment. Par contre, j'ai payé de ça pendant... Ma carrière en a payé pendant 5-6 ans. Oh, ouais! T'as eu du backlash? Total. Parce que
il y avait pas, les gens n'avaient pas compris que c'était un... Je l'ai fait juste une fois, ce numéro-là. C'était ce soir-là. Les gens pensaient que ça faisait partie de mon show en tournée. OK, ils pensaient que c'était un one-man show. Exact. Puis quand on est arrivé pour sortir l'autre show... Ça va? Oui. Quand on est arrivé pour sortir l'autre show, les diffuseurs qui achètent le show, pour les mettre dans les théâtres, tu sais, puis ils ont fait, « Ouais, mais là, vas-tu te ressortir une couille? » Fait puis... Oh. Ça va, grande fille? Et, je pense qu'elle aime pas garder. Et tout... Et tout ce qui était corporatif. Chien. Mmh. Parce que ça fait partie des revenus d'un humoriste à faire des gigs corpo. Out. Fait que ça a été des années difficiles financièrement. Fait que t'étais rendu un petit peu comme la situation de Justin Timberlake avec Janet Jackson, admettons, stéréotype. Ouais, on avait que peur de t'engager. Quand c'est arrivé, Timberlake, il valait déjà 200 millions, fait que ça l'a aidé. Moi, je valais 200 piastres. Tu comprends? C'est pas... c'est pas... Mais oui, un peu et tout. Puis, et donc, mais je suis... Puis autant que ça ennuie, si tu me poses la question, est-ce que je leur ferais? Oui. Puis si, aussi, je ne l'avais pas fait, puis je voulais prouver un point, aujourd'hui, je leur ferais sans problème. Parce que ce qui est le fun aujourd'hui, c'est pas vrai que tu peux pas, on peut plus rien dire. C'est vraiment comment tu le dis, comment tu vas le dire. Et c'est le fun, pour, surtout pour un humoriste comme moi. Je pense à Mike, je pense... c'est le fun d'écrire un show avec le défi de rester... un Maxime Martin incisif qui a toujours brassé de la marde avec le vocabulaire et les paramètres d'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que... Puis, tu sais, ce que je trouve dommage, c'est que... C'est que tu sais, on pense que tout le monde est offusqué, mais c'est... Ce qui me fait chier aujourd'hui en 2023, c'est la généralisation des choses. Tu sais, je veux dire, les hommes blancs hétéros de 50 ans, on a mangé une volée pour tous les scandales qu'il y a eu dans les dernières années, puis c'est un retour du balancier. Mais tabarnak, on n'est pas tous de même. Au même niveau que les woke sont pas tous sur des pilules vegan, puis fragiles, puis en petite boule en train de... tu comprends-tu? C'est qu'il faut... Faut, à un moment donné, falloir qu'on a... Puis c'est ce que je déteste. On dirait que depuis la pandémie, puis la discussion sur le vaccin... Je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe aux States qui a comme déboulé jusque chez nous, mais ça peut pas être tout ou rien, calice. Ouais, mais okay. Il n'y a plus de middle ground pour s'ostiner. Moi, le vaccin, j'ai changé d'opinion deux fois sur le vaccin. Mm-hmm. J'étais contre. Là, j'ai eu peur parce que j'ai fumé longtemps, puis j'ai une vie, j'étais astie. Là, le deuxième, tu comprends-tu, le deuxième était un peu challengeant, puis tout ça. Mais on pouvait même pas en parler. Mm. C'est genre, t'es-tu pro ou anti-vaccin? Go, décide, puis après ça, C'était comme la guerre de sécession, esti. Ouais, deux armées, une en face de l'autre, qui se tirent dessus jusqu'à temps qu'il ne reste plus personne debout. Ouais. Ben, maintenant, si tu regardes aussi la manifestation qu'il y a eu ce week-end, justement, à Montréal, là, pour les trucs de genre, c'est rendu que si tu fais juste poser une question, on te traite quasiment comme un Hitler, t'es un fasciste et tout. Ouais. Parce que, admettons, un parent se pose des questions sur comment vont fonctionner les toilettes mixtes. Je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est... Oui, c'est parce que c'est correct qu'on expose ces choses-là puis qu'on est en train de se réajuster puis on a vraiment brassé la cage. Et c'est sûr que, tu sais, on a été loin dans une certaine direction. Fait que c'est sûr qu'on va aller loin dans l'autre direction avant qu'on vienne se retrouver milieu. Un peu exact. Au milieu. Exact. On a encore... Tu vois, moi, j'ai... Tu sais, mon podcast, on met des extraits comme vous autres toutes les semaines qui sont un peu... Ouais. Et pour la première fois, j'ai retiré un extrait de podcast. Je le regrette un peu. Mais j'ai fait un épisode avec Isabelle Huot, la nutritionniste. Ouais. Et dans l'extrait, on voit Isabelle qui dit « Oui, c'est merveilleux, l'acceptation corporelle, mais il ne faut pas non plus négliger, faut pas banaliser l'obésité et le surplus de poids et l'impact sur la santé. » Et moi, j'ai fait, tu sais, puis je rajoute, tu sais, quelqu'un qui choisit de manger 8 Big Macs, c'est son choix, mais c'est au même niveau que quelqu'un qui boit trop, qui fume, qui prend de la drogue. Tu comprends-tu? C'est juste... C'est pas la meilleure façon, le meilleur exemple à donner, mais... Hey, tabarnak! Non, mais attends une minute. Tu l'as attaqué, là. Le backlash... Mais là, c'est là qu'on voit aussi, parce que, tu sais, les réseaux sociaux sont... Tu sais, je veux dire... T'as... Sur Facebook, c'était comme... Tu sais, moitié-moitié, mais genre, Chris, oui, on peut-tu dire... Il n'y a rien de... Instagram, c'était mitigé.
Et sur TikTok, on était juste des estides grossophobes. Le mot phobe commence à avoir le dos large. Ouais, c'est ouais, pas parce ouais. que je suis pas d'accord avec toi ou que toi, en fait, mon opinion, ce que je pense, ne fait pas avec tes valeurs que je suis anti. Tu comprends? Fait que c'est ça qu'il faut, à un moment donné, ou du moins, avant de m'envoyer chier, explique ce qui t'a fait chier et je vais peut-être comprendre. T'sais. Mais c'est ça, on n'a plus le droit... Excuse-moi, Gardi. C'est comme si on n'a plus le droit quasiment d'être en désaccord. Tu sais, le agree to disagree, ou bien, laisse-moi juste... Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que j'ai plus le droit de me questionner sur certaines choses sans devenir un phobe, sans qu'on me dise que je suis un fasciste ou des trucs comme ça. C'est là que là, je trouve que c'est rendu un petit peu spécial où est-ce qu'on s'en va, genre. Mais c'est parce que, tu sais, les réseaux sociaux ont réussi, ont fait une bonne job de nous fractionner en plusieurs sectes différentes. Mm-hmm. Ouais, vraiment, en plus. Vraiment. Bien dit. Fait que maintenant, on est juste des tribus qui attendent de sauter à la gorge puis de s'envoyer chier. L'échange n'est plus ce que c'était. Puis, en fait, je suis sûr que vous le vivez aussi. T'sais. Oh, cash. Nous autres, on met des fois des trucs un peu, ben, pas provocants, mais tu veux mettre un extrait de ton podcast que les gens vont faire « Oh, what the fuck? » Mais les gens, maintenant, vont baser leur opinion sur l'extrait qu'ils ont vu. T'sais, moi, je parlais du fait que quand je suis parti de la radio, à un moment donné, la musique me tapait ses nerfs, les mesures sanitaires me tapaient ses nerfs. Mais je parlais du fait que moi, mentalement, j'étais fatigué. Mais si tu prends l'extrait, les gens font « t'es en train de chier sur la radio ». Non, la radio m'a fait vivre pendant que la pandémie. J'ai eu des belles années. On avait une équipe extraordinaire. Moi, je n'allais pas bien. T'sais? Mais c'est ça, c'est comme... Avant, fais-tu moins faire l'effort, tabarnak, d'écouter au complet ou de comprendre le sens de et de juste... J'ai fait un message sur ça, en plus. C'est de la haine paresseuse, tu comprends-tu? Ouais. Je vais t'envoyer chier basé sur les quatre mots que j'ai entendus. T'sais. C'est vrai. Mais t'es d'accord avec moi que un skit comme genre... Moi, un de mes skits préférés que t'as fait, c'est genre sur l'accommodement raisonnable. Puis ça, on parle de quoi? 2004 environ? L'accommodement raisonnable. 2008. 2008, facilement. Okay. Facilement. Puis... C'est dans ma période très haute de consommation. Enfin, ça se peut, je m'en souviens pas. Non, mais ça, c'est tellement drôle parce que des fois, je marche dans la rue et les gens, ou d'autres, ils me disent « Hey, man, tu sais, le gag que t'as fait, quel gag? » Puis les gens me racontent un gag. Je fais « Ah, c'est donc bien drôle, j'ai fait ça. » Wow, c'était un Québec. Mais comme de ma raison... Oui, vas-y. Ben, écoute, t'as fait un skit, un des stand-up que... Parce que moi en ça, je suis un fan. Justement, je sais pas pourquoi je suis un fan, parce que t'as sorti tes bases au début, là, puis j'étais comme « Oh, shit, ce gars-là est fou, mais c'est ça que j'aime. » Pas tes bons. Yeah! Yo! Yo, Gardi-là! Yeah! Le monde t'a déjà calculé. Dans la comme, rendu là, pas tu peux le dire normal. L'audacité. Tu vois, t'aimes pas mes bons, c'est sûr, donc t'es homophobe. Déjà là. C'est quoi? J'ai pris un exemple, on vient de prouver. C'est ça, j'accepte l'homophobie. Mais anyways. Ouais. Mais t'allais dire, ouais, sur l'accommodement. Ouais, exactement. T'as fait un skit sur l'accommodement où t'es genre. Non. C'est pas qu'on a un problème par rapport à l'accommodement, c'est juste qu'on comprend pas. Puis tu faisais des jokes sur ça, puis c'était dope, mais les gens te jugeaient déjà par rapport à ça parce que yo, t'allais justement à des places où personne parlait de ça, là. Personne parlait de la commande. Ça a toujours été le fun. Je me souviens d'un numéro que j'avais fait sur le sida aussi. Pis... Je me rappelle de celle-là aussi. Exact. C'est un de mes préférés à vie. Non, mais c'est parce que c'était vraiment... T'sais, c'est parce que quand tu arrives sur scène et que tu sens que le public n'est pas sûr de rire, il y a un malaise. Tu sens le malaise, mais après ça, tu les entends rire. Fait que tu dis, malgré l'insécurité dans laquelle je viens de vous amener, je suis capable de vous faire rire. C'est très jouissif en tant qu'humoriste. Hein? Okay. Mais c'est parce que si tu commences pas à soulever les points, pas poser des questions, qui va le faire, Chris? T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est je comprends. T'sais, je vais vous donner un exemple d'une discussion que j'ai eue. Justement, dans le temps que j'étais à la radio, j'avais dit, on faisait des nouvelles insolites, des affaires weird. Quelqu'un avait volé une banque en se déguisant, je ne sais pas trop quoi. Puis j'avais fait des gags, puis j'avais dit, le gars était maquillé, était surmaquillé comme un... Il était comme un travelo surmaquillé, parce que c'était déguisé en femme pour voler une banque. Puis une jeune fille, en fait, une femme trans,
qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait été... Elle avait écrit sur mon journal, puis comme quoi elle avait été offusquée par le mot « travelo ». Oh, ouais. Et parce que, tu sais, c'est travesti. C'est vrai que travelo, c'est quelque chose... Moi, j'ai 50 ans, là, je le répète. Fait que c'est une expression de ma génération de dire « travelo ». Ça vieillit mal, puis quand tu dis « travelo », t'as l'air un dépassé par le langage d'aujourd'hui, ça fait « mon oncle ». OK. Mais elle m'explique pourquoi que je lui ai fait de la peine, et je lui réponds. Mais pendant ce temps-là, il y a une couple de drag queens qui commencent à m'envoyer chier gratuitement. Pis... Non, mais, mais c'était beau parce que tu avais les deux exemples parfaits sur mon fil parce que la jeune femme en question, j'ai l'impression de me souvenir de son nom parce qu'elle voulait commencer à faire de l'humour et tout. Ça a été tellement un asti de bel échange sur « Ah, OK, je comprends. Fait, qu'est-ce que j'aurais dû dire et qu'est-ce qu'il y a? Mm-hmm. » Colis, on peut s'asseoir puis... C'est de l'éducation. Pendant que les autres m'envoyaient chier, un, si tu m'envoies chier, tu vas pas me faire accepter qui t'es parce que tu vas juste me donner une image de... Tu vas me pousser à t'envoyer chier avant qu'on discute. Exact. Et les deux exemples étaient tellement clairs. Fait que c'est pour ça que, tu sais, même les... Mais c'est sûr que c'est risqué, encore plus aujourd'hui que jamais. Mais, tu sais, il y a une belle expression qui dit que le pire ennemi du roi, c'est pas le roi en face, mais le fou dans sa cour. Ah. Et ça a toujours été le rôle de l'humour, d'être un miroir de société. Ouais. Fait que, et c'est un rôle qu'on a oublié par moment, et là, qu'on se réapproprie dans une période difficile. Même plusieurs l'évitent. Bravo à ceux qui le font encore. Mais ça, c'est ça le rôle de l'humour. Mais c'est ça. Pour venir avec ce que je disais, c'est que... fucking sérieux, hein, comme podcast. Je regarde un silence depuis tantôt. Non, mais c'est. Non, mais c'est tu nous éduques. Ben oui, non, mais tu nous éduques pour le vrai. Allez, tu nous éduques. Bon, prenez des notes parce que dans une demi-heure, il y a un test. Écoute, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont osé comme toi. Puis justement, où est-ce que. On va dire, tu sais, quand tu es à la maison, comme. Tu sais, je pense qu'une des raisons pourquoi le podcast de Chroniques Alcoolées existe, parce qu'à la maison, Hollywood, moi, puis tout le reste de mes boys, on parle freely. Yeah. Mais t'es un gars, justement, où tu montes sur scène et tu parles comme si t'es avec tes boys. Yeah. Ça fait pas chier que où t'es comme « fuck ». Là, présentement, je ne peux plus faire cette situation-là parce qu'on peut me cancel du jour au lendemain. Mais quelqu'un vous a remarqué que, je veux dire, à part ceux qui ont été impliqués dans des scandales sexuels, il n'y a personne qui a vraiment été cancellé pour dire... quelque chose, tu sais. Eric Saval? Mais c'est sexuel. Non, mais lui, il a fait quelque chose. Lui, il a pas une action. Si même aux États-Unis, je veux dire, il y a certaines personnes qui ont été... Moi, la seule affaire qui m'énerve, c'est justement, tu sais, on saute vite à... Lui, il a dit, tu sais, on s'éloigne vite de quelqu'un qui a dit quelque chose, mais il n'y a pas grand monde qui ont été cancellés basé sur des choses dites. C'est vrai. Ouais, les gens qui ont été cancellés ont souvent été cancellés aux States ou en France ou au Québec sur des actions. C'est vrai. Fait qu'il faut enlever ce mythe-là qu'on va être cancellé en dans deux secondes. C'est sûr que, tiens, mais ça dépend de ce que tu dis, là. Je veux dire, tu sais, si tu passes sur un discours raciste, si tu inclus tout, t'envoies chier, tu comprends-tu? Il y a une façon. Si tu veux vraiment faire un succès de carrière, c'est la meilleure époque pour ça, tu comprends, tu sais? OK. Mais je répète ce que j'ai dit de. Moi, j'adore être capable de. I'll shove it in your face. Puis je vais trouver une façon de le faire dans les paramètres que tu m'imposes aujourd'hui. Oh, tu sais, c'est parce que tu veux te voir... Est-ce que ça va paraître hyper prétentieux, ce que je vais dire? Puis un n'empêche pas l'autre. Je pense que les artistes qui sont là pour l'aspect commercial de la chose, être populaire, connu, faire du cash, whatever it takes, I'll do it. Et je pense qu'il y a des gens qui ont sent dans d'eux de profiter de cette plateforme-là, que ce soit en musique ou en humour, pour... te dire, je vais laisser une certaine marque. Quand ça va être fini, je vais avoir fait peut-être quelque chose, je vais avoir essayé de... Regarde, c'est ce que tu parlais sur des accommodements raisonnables. Chris, si j'ai pu avoir cette discussion-là avec quelqu'un d'une autre communauté basée sur quelque chose que j'ai dit, fuck, il y a une fierté là-dedans, tu sais, fait que... Et... je me suis déjà stylé avec des humoristes qui disaient, donne au public ce qu'ils veulent entendre. Non, tabarnak! Dis-leur ce que des fois ils devraient peut-être entendre ou peut-être pas, ou ce qu'ils veulent pas entendre, mais tu présentes là. Puis. Est-ce que tu dirais que tu utilises ton humour pour forcer des débats? Non. Ben, en fait, je pense que moi, d'être capable d'en parler, ça me défoule. OK. Tu
Tu sais, je peux pas qu'elle descende dedans pour moi parce que c'est mauvais refou, tu comprends-tu? Fait que, c'est surtout aussi, il y a souvent aussi une espèce de « what the fuck, tabarnak? » Moi, je me souviens, j'ai fait un numéro sur le Québec. La couille était en 2000 et en 2001, c'était un numéro qui s'appelait « Honte d'être québécois » parce que je parlais de la situation des hôpitaux, du système d'éducation et des routes. OK. 2023, je pourrais faire le même numéro, il n'y a rien que fucking changé. C'est malade. C'est vrai. Exact. C'est je me malade. Souviens de dire, tu sais, il disait que pour réparer les routes au Québec, il y avait une affaire comme genre, ça allait coûter comme 40,4 milliards, je ne sais pas trop quoi, puis j'ai fait. Personne qui a allumé à fucking 10 milliards, tabarnak. Tu comprends? Ah, comment c'est arrivé à ça, tu sais? Ça m'énerve, ce manque de. Je trouve qu'au Québec, des fois, on a tendance à. On a un laxisme qui laisse les choses aller. Genre. On a peur de se réinventer, on a peur de se challenger, on aime ça se victimiser, calice, beaucoup. Et moi, dans ce temps-là, moi, quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, donc une société qui joue à la victime, j'ai juste envie de faire « Hey, esti! » Réveil, genre, OK, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, je dis « Let's go, Chris! » Tu sais, je dis. Fait que dans le fond, si je comprends bien, les vrais enjeux qui te font chier ou que tu vois que faudrait peut-être qu'on en parle, c'est ça que tu utilises dans ton humour, ouais. Majoritairement, genre. Ouais, parce que comme je te dis, il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans aussi. Pis... Mais tu sais, c'est parce qu'on a toute eu notre influence. Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, évidemment, moi, quand j'étais petit cul, j'étais un fan de Deschamps, puis moi, j'ai grandi dans l'Ouest canadien. Fait que mon humour est vite devenu influencé par les anglophones. Fait que, tu sais, ouais. Ben oui. Fait... Winnipeg. Ouais, exact, t'as commencé à Edmonton, c'est ça que j'ai fait vu. Fait que, tu sais, on parle de George Carlin, mais plus précisément, moi, je me souviens, je suis tombé en amour avec un humoriste qui s'appelle Bill Hicks. OK, je connais pas. Qui est décédé à 32 ans. Tu connais-tu? Je sais pas. Moi, j'ai entendu, qui est décédé à 32 ans, c'était. C'était le... depuis très longtemps. Le... Celui qui avait un humour décapant. Qui... Écoute, il y a un bit sur l'assassinat de John F. Kennedy qui est fucking extraordinaire. Wow. Okay. Ouais, ouais, ouais. Mais qui est aussi capable de parler de cul. Et je m'identifiais à ça parce que je me dis, moi, j'ai souvent vécu dans ma carrière parce que je parle de cul. On n'est pas capable. C'est inconcevable pour les gens de dire, OK, il y a un côté vulgaire à Maxime Martin, mais Chris, il y a un côté aussi qui est capable de... Ah, il a parlé de cul, il est vulgaire. OK, on l'a mis dans cette case-là, c'est réglé. Puis Bill Hicks avait la même affaire aussi. C'était comme, parce que tu parles de cul, tu peux pas avoir un propos intelligent. What the fuck, est-ce? Moi, donc, ça a été mon influence. C'est comme si tu regardes un joueur de foot, tu regardes un joueur de hockey qui a un certain style, tu vas le reproduire sur la glace ou sur le terrain, tu vas vouloir copier ça. Fait que moi, c'est cet humour-là qui est venu me chercher. Tu sais, si je faisais de la musique, je disais, moi, tu comprends-tu? Je me suis identifié au grunge parce que, tu sais, Gen X, génération enragée, blablabla. Fait que tu vas rester dans cette vague-là, tu sais. Mais en venant de l'Ouest canadien, comme... Ça va, madame? Oui. Okay. C'était très doux comme... Comme éternuement. C'est cute. Je veux même pas imaginer d'autres choses quand elle fait du son, là, mais bon, c'est correct. Oh, shit, ok, non, c'est pas un éternuer habituel, on va dire. Mais on va laisser ça de même. On va laisser ça de même, moi. Là, je voudrais savoir, comme justement, on vient de dire, tu sors de l'Ouest canadien puis tout. Ton humour, tu l'as commencé en anglais ou en français? En anglais. Puis comment t'as atterri au Québec? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis. Je dois ma carrière au Québec au sein de Macha Grenon. De quoi? Vas-y, mon gars, parce que moi, je suis un fan de Macha Grenon. Ah, oh, bon, qu'est-ce? Macha Grenon, ben oui, c'est une grande actrice, dans elle jouait dans l'ancien compte. Ouais. Je raconte l'histoire bien vite. J'ai commencé en anglais, puis j'animais dans un comedy club qui s'appelait Rumors Comedy Club à Winnipeg. OK. Et on avait, à l'époque, dans l'Ouest canadien, tu avais une chaîne francophone, c'était Radio-Can, qui était évidemment à travers le pays. Il n'y avait pas Canada. TVA, il n'y avait pas TQS à l'époque, il n'y avait rien d'autre, c'était Radio-Can. Et je me souviens, il était comme genre, ça, le show était à 8 heures, mais j'habitais à 10 minutes à pied du Comedy Club. Puis j'ai commencé à écouter, il repassait des reprises de l'ancien compte. Ouais. Et j'ai commencé à écouter l'épisode, mais à un moment donné, il fallait que je m'en aille faire le show. Fait que j'ai pesé sur record sur mon VCR. Okay, plein de monde. 89. Le monde savent pas. Yo, ouais, ils savent pas. Google, Wikipédia, whatever. L'ancien compte, personne. Non, mais le crowd n'est pas pire, là, quand même. Il y a un peu du tourne. Il y a monté l'âge pour tout le monde. Il y a monté la moyenne pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le grand de fucking 7 pieds 2, là. Non, là-bas, là, assis, là. Ah, il peut pas le voir. Il le voit. Non, tu connais ta génération. En fait, génération. Ce que je me rends compte, c'est que même assis, il mesure 7 pieds 2. C'est pas comme intimidant. Ouais, exactement. Puis ta génération, lui. Ah ouais? Non, ah ouais. Mais non, mais... 52, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Tu sais, cette affaire-là, la cinquantaine, il l'a pogné. Yo, puis les gars, mettent l'âge sur toi comme ça, mon gars!
Les gars sont sous mettre là, je suis pas ça. Comme ça. Enfin, après, hier, il y avait 22, il a baisé avec une femme de 50 ans, ça capote, il a pogné à 50 ans. C'est ça? Non, oui, c'est ça. Non, hier, il y avait 22, il est rentré ici au Canada. Et puis maintenant, il est rendu à genre 54. Mais c'est l'amour. C'est comme ça qu'on cherche notre love. Yeah, puis ils sont comme ça, hein? Mais oui. Ah oui, parce que puis je me souviens que dans cet épisode-là, parce que moi, j'avais écouté la série au complet, ouais, mais dans l'épisode, aussi. Je savais qu'il y avait une scène osée avec Macha Grenon. Ouais. Fait que je suis allé faire le show, puis en revenant, j'ai écouté le reste de l'ancien compte, et ils ont passé une annonce. À l'époque, Juste pour rire faisait ce qu'ils appelaient les auditions Juste pour rire. Mm-hmm. Ça veut dire que dans chaque région, l'Abitibi, Gaspésie, Québec, whatever, tu pouvais te présenter. C'était un concours. Fait que tu parlais français. Oui, ben oui, parce que je suis né au Québec, puis on parlait français à la maison. Mais tout mon... j'allais à l'école en anglais. Okay. Tout ce qui était sport. Quand tu regardes mon premier gala Juste pour rire, j'ai un léger accent. Pas anglophone, mais tu vois que... Mais tu vois que t'as grandi en anglais, genre. Et pendant que je regardais l'ancien compte, ils ont passé une pub pour la première fois, c'est marqué pour la première fois de l'histoire de Juste pour rire, qui était très jeune. C'était la 6e ou 7e année de Juste pour rire, point final, tu sais. Oh, wow. Ouais. OG! Et là, ils me disaient, pour la première fois, Juste pour rire, c'est une des auditions dehors du Québec. Il y en avait au Nouveau-Brunswick, puis il y en avait à Winnipeg, parce que Saint-Boniface... À Winnipeg, il y a encore, puis au Manitoba en général, il y a encore une grande communauté francophone. OK. Oh, fait que, wow. Exact. Wow. Fait que et le pire, c'est que j'ai dit, je vais m'inscrire parce que, tu sais, juste pour. Puis j'avais vu Anthony Cavana. J'avais fait Anthony Cavana de. Je voulais voir si tu comprenais le créole. Yo, du chien. Imagine, il serait assis. Mais... On dit un chien blanc avec des yeux bleus, tu lui demandes de bailler en créole. Peut-être qu'il voit le créole, je sais pas. Moi, j'embarque pas sur l'affaire blanche avec les yeux bleus, c'est trop facile comme gang. Ça m'a. Et tout ça pour dire que, donc, et je me souviens que dans la même époque, Anthony Cavana, parce que les galas Juste pour rire passaient à la télévision, puis Anthony Cavana avait 19 ans quand il a fait son premier gala, et j'avais 19 ans. Mmh. Quand je me suis inscrit, j'ai fait... Parce que Cavana m'a montré que t'avais pas besoin... Moi, dans ma tête, il fallait que t'achètes pour moi. C'était pour les autres les humoristes avec plus d'expérience, un peu plus âgés, peu importe. Et j'ai gagné là. Mais le pire, c'est que c'est la seule fois que j'ai vu l'annonce. Fait que si j'avais pas tapé l'ancien compte, j'aurais pas vu qu'il y avait des concours. Parce que moi, je déménageais. Moi, ce que j'ai aimé à Rumors, j'ai pas gagné vraiment de Golden Years parce que moi, j'ai fait la première partie de Chris Rock, Ray Romano, John Stewart. Ici? Non, à Winnipeg. À Winnipeg. Parce que le Booker, c'était tous des gars qui commençaient à être connus, évidemment, qui étaient des stars du circuit de l'humour, mais qui n'étaient pas... Il y en avait une couple qui avait fait leur premier Tonight Show ou Letterman. Mais Rock commençait à être connu comme le protégé de Murphy, mais c'était tout. Tu sais, il y avait vraiment... Moi, j'ai vu Jon Stewart. Fucking Jon Stewart, là. Nerveux à côté de moi. À l'époque, la première fois qu'il venait à Winnipeg, je faisais pas encore de l'humour. Excusez le poil de chien. Ça faisait quelques... J'ai commencé peut-être 3 mois plus tard. Et j'étais placé au Comedy Club. Fait que, tu sais, je déchirais les billets puis j'allais asseoir les gens à leur table. Puis après ça, moi, je m'accotais sur la table à la réception, puis j'avais le stage devant moi. J'avais la plus belle école. Je les ai toutes vues, tu sais, performer. Fait que t'étais pas encore humoriste dans ce temps-là. Et je suis assis, puis j'attends, parce que là, c'est le MC qui... Le MC faisait 20 minutes, fait que là, je regarde le MC que je connaissais, tu sais. Hein, puis je connaissais son stock par cœur, c'était le même MC, tu sais. Puis il y a un gars qui vient à côté de moi, puis fait « Hey, how you doing? » Je dis « Hey, I'm John. John Stewart. » C'est lui le headliner. « How you doing, man? » « Oh, man, I'm fucking nervous. » C'est de quoi tu parles? Parce que à Rumors, le headliner faisait 60 minutes. Tandis qu'en général, dans les Comedy Club, tu faisais entre 40 et 45. Parce qu'il y avait MC, opener, middle. Tandis qu'à Winnipeg, c'était MC, headliner. Oh, man, j'ai jamais fait 60 minutes de ma crise de vie. J'ai jamais fait plus que 40. Je sais même pas si j'ai 60 minutes. Fait que moi, ça va, à chaque fois que je vois Jon Stewart, je vois encore le gars. Il avait 23 ans. Hey. Il avait 23 ans et il était fucking never. Wow! OK! Mais à l'époque, tu vois, fait que moi, c'était l'anglais. Tu sais, je voulais déménager à New York. En fait, mon plan de match, c'était Chicago-New York. Okay. Fait que ton premier show en français, comment tu t'es pris pour l'écrire? Ben, j'ai juste traduit ce que j'avais en anglais. Ça marche, là? Puis est-ce que tu t'es senti assez confiant que les jokes, les gens les relate autant? Non, ben en fait, je ne l'ai pas rodé parce que quand j'ai fait le concours Juste pour rire, c'était mon premier show en français. C'est le concours qui a fait le show en français. Exactement. J'avais jamais joué en français. Fait que j'ai pris ce que j'avais, je l'ai traduit, puis ça a été ma première performance. It is what it is. It is what it is. Puis j'ai failli perdre
parce que je faisais du stand-up. Mm-hmm. Puis l'humour en français était très personnage. Et ce soir-là, ce n'était que les personnages. J'étais le seul stand-up. Et le jury a failli faire gagner quelqu'un d'autre. Parce que pour les gens, le stand-up, c'était pas original. Oh, okay. Et même que mon premier gala Juste pour rire en 90, on était deux stand-up. François Mascotte puis moi. Oh, shit, ouais! Okay. That's it. Oh, okay. Tu sais, Lemire faisait l'oncle Georges. C'était que des personnages ou des Français qui faisaient le quatrième mur. En dedans 3 ans, c'était comme 90% stand-up. T'sais. Yo, moi, j'ai une grosse question, pour de vrai, parce que j'entends ça souvent là au Québec. Le monde de l'humour, c'est incestueux. Dans le sens que c'est toujours les mêmes visages que tu vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. À la télé, dans les shows, puis tout. Puis quand j'y pense, moi-même, genre, quand je regarde depuis les années 90, c'est vrai, là, comme... Yo, je peux même pas compter le nombre de fois que je t'ai vu. Je peux pas compter combien de fois... C'est un petit milieu, premièrement, je veux dire. Mais en même temps, tu vois, nous autres, quand on est arrivés... Notre génération, on a pris beaucoup de place. Les Huard, Cavana, justement, comme ça. Ouais, ça a été un boom aussi. Ouais, Martin Petit, Morancy. Martin Matt, Morancy, toute la gang. On était arrivés, on était peut-être une quinzaine, mais depuis ce temps-là. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'ai sorti mon. Je me souviens, à un moment donné, je pense qu'on est en 99 ou 2000, puis je suis au restaurant avec Martin Petit, un dimanche matin, chez Mme Bolduc sur Papineau. Puis on est en train de lire le Journal de Montréal avec le Cahier Week-end. Puis je me souviens que Martin. Moi, je venais de finir ma tournée, mais Martin était en pleine tournée. Mm-hmm. Puis il flippait, parce qu'à l'époque, on annonçait notre show dans le Journal de Montréal. Ah, OK. Ben ouais. Oui. C'est la seule façon. Le Journal de Montréal, télé, radio, that's it. C'est ça. C'est tout ce que tu avais. T'as pas d'Internet. Et je me souviens Martin qui dit, « Calisse, man, on est 19 en tournée cette année, on est ben trop. » Quand j'ai sorti mon show là, avant la pandémie, en 2019, on était 55 shows. Oh. Shit. Fait que, tu sais, ça a grandi, mais tout est incestueux dans la vie. Je veux dire, regarde, tu sais, au cinéma ou dans les séries. C'est vrai. Patrice Robitaille, Julie Perrault, tu comprends-tu? C'est la même chose en France, c'est la même chose, tu sais. Aux États-Unis aussi, c'est vrai. C'est parce que ici, c'est un petit marché, fait que tu vois avec des valeurs sûres, tu sais, je veux dire. Je suis pas sûr que Friends aurait existé au Québec. Ah, oh, OK. Tu sais, genre, on prend 6 inconnus, puis on fait... Tu sais, c'est quoi l'émission à Télé-Québec là, sur Like Moi? Ça, c'était le plus proche, mais tu sais, c'était des jeunes humoristes émergents qui avaient déjà quand même un gros following sur les réseaux sociaux. Mais Friends, il y a 15 ans au Québec, n'aurait jamais existé. Il n'y a aucun producteur québécois qui aurait pris 6 inconnus pour faire une série, malgré la qualité des textes. Ça aurait été trop risqué ici. Mais oui, ça aurait été même du monde connu là-dedans. Sinon, ça ne marche pas. Encore aujourd'hui, tu sais. Wow. Quand tu dis ça, là, je regarde, ben là tu perds un peu des émissions. Je regarde une émission comme ben, t'as apparu dedans dans Caméra Café. Ouais. Vous connaissiez toutes déjà dans le fond? Ben, Caméra Café, moi j'ai fait juste une fois. Ouais, parce c'est que... ça, je sais. Mais j'ai juste fait un cameo parce que moi à l'époque je faisais juste des cameos, j'étais pas. Moi j'ai toujours été à l'extérieur. Moi, tu sais, j'ai commencé dès mon premier one-man show à faire de l'humour, tu sais, l'humour trash, l'humour osé. Fait que tu sais, jusqu'à temps que Mike Ward arrive, là, j'étais tout seul, Chris. Fait que j'étais un intouchable. Tous mes chums étaient à radio. Tous mes chums étaient, à TV. Mais Maxime Martin, il sacre, il parle de dope, il parle de cul, out. Mm. Tu sais, fait que après ça, quand Mike est arrivé, puis après ça, Mercier, Mariana, Cathy Gauthier, tu sais, là, ça a comme fait OK. C'est pour ça, Mercier. Ouais, exact. Qui fait que l'humour dark, si on peut appeler ça comme ça. Ouais, ça ouvre bien les portes, mais tu sais, hey, c'était beige en esti, l'humour. Parce que. Aux États-Unis, les sitcoms. Les sitcoms québécois des années 90, là, c'est fucking safe de chez safe. Là. Ça veut dire un George Carlin, là, qui était un de tes idoles, ça aurait pas passé ici, là. Qui ça? Le George Carlin. Non. Carlin, oui, parce que Carlin était clean. Carlin était comme Deschamps. Le delivery était clean, mais les sujets qu'il parlait... Oui. Puis lui, il était beaucoup dans le... comment je pourrais dire ça? Le sarcasme. Ben, pas juste ça, mais tu sais, en fait, juste même le sarcasme, son attaque de la religion. Ah oui. Moi, j'ai déjà fait un gag. J'ai fait un gag de. J'ai 23, 24 ans. Et j'ai fait un gag. J'avais fait un monologue un peu sur la religion qui avait passé dans le contexte de Juste pour rire. Mm-hmm. Et j'ai eu des membres de ma famille, mes plus âgés. Mon grand-père est en tabarnak. J'ai un oncle qui m'a pas parlé pendant 6 mois. Tu touchais pas à la religion au Québec, il y a 15, 20, il y a 20, 30 ans. Là,
Wow. Attends, okay. Mais là, c'est vrai. Parce que je sais que tu as fait aussi sur l'islam. Mais tant qu'à faire toutes les religions, tant qu'à parler de religion, tu parles de toutes les religions. OK. Parce que sinon, de toute façon, moi, je suis croyant, non pratiquant et anti-religion. Et je pense que Dieu est aussi anti-religion. Tu comprends? Mm-hmm. Oh, attends. Non, moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Croyant, non pratiquant, anti-religion. Ouais. Je crois à Dieu, je crois à... Je sais pas c'est quoi la forme de Dieu, je sais pas si c'est... Tu crois pas en tout ce qui a été touché par l'homme, en fait. Moi, je crois que Dieu s'en tabarnak si tu manges du cochon ou ouais. Du poisson le vendredi ou si tu pries 7 ou 15 fois ou une fois par jour. Ou, Je pense qu'il s'en tabarnak. Je pense que... J'aime pas la façon que l'homme a manipulé l'image de Dieu pour... Pour l'utiliser à son gain, à lui. Non, mais tu sais, à la base, les 10 commandements étaient juste... Les 10 commandements étaient juste un code civil. Ouais. C'est des trucs logiques. C'est des trucs logiques. Essaye de pas tuer du monde, ça serait pas pire, tu sais. Ouais. Mens pas. Ça te dérange-tu de pas fourrer ma femme, s'il te plaît, qu'on l'ait Des trucs logiques. C'est un code civil, tu sais. C'est-à-dire, on n'avait pas de loi écrite, tu sais. Fait que... Je te rejoins là-dessus. Exact. OK. Man! Une parole. Aimez-vous les uns les autres. C'est là que la religion devrait arrêter, man. Ouais, je suis d'accord. Aimez-vous les uns les autres. That's fucking it. That's it. Moi, si tu respectes pas ça, les commandements que tu vas m'imposer, les règlements, ouais, non. Tu commences pas par le premier qui a été dit, tu sais. Tu me perds, tu comprends, tu sais. Fait que. Yeah, big facts. Tu me rejoins, big moi, là-dedans. Ouais. Tu me rejoins, big en tout cas. Facts. Non, mais j'ai toujours comparé à ça. Je veux dire, tu sais, pour moi, la religion, c'est comme un forfait de cellulaire. Il y en a qui sont avec Rogers, d'autres qui sont avec Bell. Mais tout de même à la même place, comprends-tu? Tout le monde est à la même tour. Je te jure. Tout le monde a un réseau différent pour parler au même fucking Dieu. Ils sont tous d'accord sur le même Dieu. Il n'y a personne qui s'ostine sur le... Il n'y a pas 8 dieux différents. Là. Mais c'est le karma maintenant. Eh oui. Mais c'est correct. Mais moi, je crois beaucoup à ça, le karma. T'es un tueur. Wow. Tu penses-tu que t'es arrivé en avant sur ton temps? T'aurais-tu voulu performer maintenant pendant que... On est, tu sais, une personnalité qui veut, genre, vraiment aller contre la narration, mais aurais-tu voulu, genre, commencer maintenant ta carrière ou est-ce que tu peux faire vraiment, ben, en ce moment, la visibilité, elle peut aller encore plus exponentiellement haut? Moi, quand j'ai sorti mon premier show qui s'appelait Tolérance Zéro, personne n'y croyait. Il y a une personne à Juste pour rire qui y croyait, puis il programmait des shows off festival, si on peut le dire. Et on m'avait programmé au Cabaret du Musée, qui était une salle mythique. On m'avait mis à 11h le soir, fait. OK, c'est vraiment mal. Ouais. Non, mais puis le premier soir que je fais le show, il y a des critiques. J'ai même pas le temps de roder, tu sais. C'est la première fois que je fais le show au complet de bout à bout parce que je faisais juste des brides de 15-20 minutes partout. C'est la première fois que, tu sais. Et ça a été, je les ai encore, tu sais, laminé, ça a été des critiques incroyables. Fait qu'en dedans de 2 jours, je suis fucking sold out. Je suis the talk of the town, tout le monde vient voir le show. Et ça, c'était très valorisant parce que c'est surtout là, les humoristes venaient voir Maxime Martin quand c'est moi, depuis des années, qui allais voir mes chums. T'sais, fin. Puis je me souviens, Guillaume Lepage était rentré dans ma loge après le show et m'avait dit, « Tabarnak, man, quel coup de génie, bravo et tout. » Il me dit, « Là, il va falloir que tu acceptes quelque chose qui va être difficile d'accepter. Tu viens d'ouvrir une porte avec ton humour osé, malgré le fait le contenu. » Quand je dis intelligent, je trouve ça un peu prétentieux, là, mais bon. Mais... Il dit, oublie jamais que le premier qui rouvre la porte est le dernier à passer à travers. Et comme de fait, quand Mike Ward l'a dit souvent, si c'était pas Maxime Martin, ça aurait été difficile pour lui et les autres qui ont suivi. Le premier mange la marde. Le premier mange les claques sur la gueule. Yeah. Là, ouais, fait, c'est sûr que des fois, mais. Frontline. Mais si j'avais passé deuxième, troisième, probablement que j'ai eu la carrière des autres, puis j'aurais fait autant d'argent qu'eux autres. Puis je regarde, quand Jeff Mercier est arrivé avec un gars soir, toutes les choses. Le Québec était prêt à avoir ce genre d'humour-là, osé, trash, vulgaire et tout, tu sais. Mais en même temps, looking back on it, il y a quand même une fierté d'être le gars qui a ouvert la porte. Okay, c'est ça, c'est au ça, bon moment. C'est ça, c'est ça. Ouais. The first to do it. Ben, c'est bon, t'as brisé la glace. Ouais, brisé la glace. De façon de le décrire. Je suis posé la question. Puis dans tous les shows que t'as fait, là, vu qu'on va rentrer dans d'autres choses, là, ça serait quel le projet que tu dirais que t'as le plus aimé travailler dessus? La série avec ma fille. OK, en vrai, je savais que tu allais dire ça. Ben ouais. Mais c'est parce que ça a sauté, tu sais, ça a pris 9 ans. Tu sais, quand j'ai repris le contrôle de ma vie, tu sais, quand... J'étais-tu sobre? Je commençais à l'être, me semble.
putain, man, tu vas trop vite. Yo, comment t'as été fucked up tout le temps? Je veux te savoir ça, moi, man. Ben, définition tout le temps, mais non, mais de 30 à 39, c'était là. C'était. Tu sais, un toxicoman, alcoolo-toxicoman, c'est Groundhog Day. Tu sais, je regarde ton nez puis je me dis, ouais, je comprends. Oh, ouais, ouais. Il y avait de la place en estime. Mais non, puis tu sais, man, je me suis réduit dans le bas-fond. Là. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais le nez tellement galé que quand je sniffais, la coke retombait. Oh! Fait que je me suis enlevé les gales avec les doigts. Pour que ça puisse coller, genre. Fait que moi, j'ai saigné du nez avant de consommer. Wow! Tu comprends-tu? Puta! Puta! Ouais, exact. T'sais, j'ai peut-être pas dit avec le même accent que toi, mais j'ai essayé. Mais. Fait que, mais la série avec ma fille, ça a été. Parce qu'au début, ça a commencé que j'ai fait des petits sketchs avec elle pour le fun, puis en partant, on l'a vu. On avait fait un couple de trucs avec Jacques Chevalier encore à l'époque. Pour ça, quand j'ai sorti un show, elle avait fait une pub pour moi. Puis des fois, là, j'ai recommencé à remonter l'échelle parce que, tu sais, je suis descendu au bas fond, là, tu sais, là. Pour bien des gens, Maxime Martin, c'était fini, c'était un has-been, il n'y avait plus rien, avec raison. Et là, il y avait des shows qui disaient, ah, il y a quelque chose à faire avec ça. Et la première fois qu'on l'a présenté à VRAC, ils ont dit non. Puis, tu sais, la vie fait bien les choses parce que, surtout dans le show business, c'est un cycle. À chaque 3-4 ans, le management change. Et il y avait éclairé tout le monde, sauf une personne, qui était la seule personne qui croyait à Max et Livia. Et le producteur a juste pour rire a été voir les voir pour un autre projet. Puis on fait, ouais, on aime ça. Mais dit, tu sais, ce que tu nous avais présenté il y a 2 ans, ou même, non, un an, ça faisait un an, ce que tu nous as présenté l'année passée avec Maxime Martin et sa fille, qu'est-ce qui en arrive? Il dit, ben, écoute, c'est encore dans l'air, dans le sens que, tu sais, ils sont rendus dans le projet. Puis en fait, j'avais fait un sketch dans l'émission Dans ma tête de Pat Grou. Puis c'est la seule démo qu'on avait, mais c'est pas un concept télé, c'est un sketch. Ils ont fait, on aime la chimie, penser à quelque chose. Parfait. Je reçois l'appel de Martin Roy, là, de juste pour dire, il faut que tu penses à un concept. VRAC, ils veulent quelque chose, toi et ta fille. C'est la chimie. Et là, je fais, all right. Je dis, man, OK, t'as une minute, qu'est-ce qu'on fait? Et je me souviens, c'est au printemps, c'est comme les premières belles journées, puis ça donne que je m'en vais chercher Livia et on va au Dairy Queen. On est assis en train de manger dans la crème glacée, puis Livia a dit, tu sais, l'année prochaine, quand je vais aller au cégep, j'ai fait tabarnak. Ma fille s'en va au cégep. Oh, puis tu sais, dans ma période de consommation, j'ai quand même réussi à être un père présent. T'sais. Oui, des fois, j'étais le lendemain de veille, mais quand j'étais avec ma fille, je consommais pas. Je pouvais prendre un verre de vin, mais je sentais pas le besoin de me geler en face. C'est pour ça que ça m'a pris du temps à comprendre. Quand je suis heureux, j'ai pas besoin du buzz superficiel. Ça, j'aurais aimé ça le comprendre avant. Mais elle passait plus de temps que sa mère parce que sa mère avait une belle discipline pour les devoirs. Moi, je voyais ma fille toutes les fins de semaine puis sa mère l'avait la semaine parce que sa mère était bonne sur s'assurer que tout est... Des fois, je la gardais la semaine, je faisais « T'as-tu des devoirs? » Ma fille disait « Ouais, sont-tu bien importants? » Pourquoi? « On va au cinéma, tu sais. » J'étais capable de dire « Je pense que la semaine, on a intérêt qu'elle soit avec Héloïse. » Et là, j'ai fait « Mon Dieu, que ça passe vite. » Et j'ai fait « Ah, c'est ça, la série. » C'est l'histoire du père qui réalise que sa fille grandit vite, qu'elle a manqué des bouts puis qu'il veut se reprendre. Nice. Fait que c'est parti de ça. T'sais. Wow! Ouais. Nice. Dope. Fait que dans le fond, ça t'a aidé à faire une certaine thérapie en même temps, genre. Ça m'a réconcilié, puis ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la série, on a pris des vrais moments de vie aussi. C'était pas juste ça, mais je me suis un moment donné, dans un épisode, il y a une amie, Olivia, qui se sépare. Les parents se divorcent. Se sépare. Puis, on est assis à Lilo, puis on jase, puis elle me dit, comment est-ce que toi puis maman, vous avez su que c'était fini? Et la réponse dans l'épisode est la vraie histoire. Oh. Ouais. Wow. OK, là, faut que je regarde l'épisode. Ouais. Real non, talk. Non, mais on se souvient, ben, je vais vous la raconter. On avait une hostie de chicane qui était quasiment rendue quotidienne, puis là, on se souvient juste que Livia était assise à terre dans un coin en nous regardant en train de pleurer, puis on a fait « C'est fini. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de régler nos problèmes. On va pas imposer ça à notre fille. » Puis honnêtement, c'est quelque chose... Tu sais, c'est ça que tu me parlais. On parlait de ma fête au début de l'épisode.
c'est tellement drôle parce que j'ai pris un chemin que j'ai pas pris depuis des années. La dernière fois que j'avais pris ce chemin-là, c'est quand j'étais en peine d'amour de la mère de ma fille. Oh, wow! Et c'est la 132 sur le bord. De, je me souviens, c'était une journée d'hiver, j'écoutais du Coldplay. Puis, et de quoi te rendre de bonne humeur quand t'es en peine d'amour? Et là, je repassais par là, puis ça me faisait penser à toute la vie. Puis, tu sais, on est resté proche, moi, puis sa mère, puis je suis encore proche de mes beaux-parents, tu sais. Mm-hmm. Et qui m'appelle me souhaiter bonne fête, c'est Héloïse, la mère de ma fille. Tu fais, tu me niaises, tu m'appelles en ce moment. Tu sais pourquoi? Je dis, Christine, une fois, j'ai passé ici, j'étais en peine d'amour de toi. Tu dis, voyons donc. Puis, tu sais, on s'est parlé de ces cinq minutes. J'ai écrit, hey, c'est me semble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle dit, ouais, je sais, mais tu sais, moi, je tiens, elle dit, on nos horaires, faites pas, c'est dommage. Mais, tu sais, en raccrochant, on se dit encore des fois, hey, je t'aime, je t'embrasse, à tantôt. T'sais. Parce qu'on s'aime en tant que personne. On a fait quelque chose de beau et de merveilleux. Moi, j'ai jamais compris. Moi, là, des parents qui se servent de leurs enfants pour partir en guerre contre l'autre, c'est le geste le plus égoïste que j'ai jamais vu de mon hostie de vie. Man, mets ton ego de côté, man. Dans une séparation, tu as une mission à faire. Ramener le sourire sur la face de ton kid. Puis une fois que le kid sourit, assure-toi qu'il reste là. Non, c'est jamais parfait, mais au moins essaye. On est tous parents ici, là. Puis qu'est-ce que tu dis là? Oui. C'est vraiment basé sur à quel point la personne est capable de mettre son état d'âme personnel de côté pour le bien-être de son enfant, là. Exact. So, okay, that was great stuff. Je vais aller voir l'épisode. C'était vraiment dope. Vu que M. Gardilac voulait parler un peu de ton histoire de consommation, est-ce que tu dirais que c'est la pression que tu avais qui faisait que tu es rentré dans... J'ai rien dit. T'as dit que c'est ça que tu voulais entendre? Non, mais là, attends, mais tu veux dire, est-ce que c'est la pression... Tu commences à consommer? Non. Non. Mais moi, je me souviens, la première fois, j'ai fumé un joint. Tu sais, moi, quand je t'ai dit que mon rêve, c'était de jouer au baseball professionnel. Oh, wow. Ah, ouais. Expo? Ben, j'étais à l'Ouest canadien à l'époque. Fait que j'étais comme. J'ai quand même monté haut. Tu sais, j'ai junior élite. J'avais reçu une lettre de Eastern Michigan University. Oh, wow. Okay. OK. Ouais. OK, t'es vraiment bon. Et, mais ça, écoute, ça n'a pas été plus loin que ça, mais quand même. Tu sais, c'était comme. Et. Un mec, point. Hein? T'as-tu compris, toi, Aura? Parce que je comprends pas. Non, mais il te faisait des avances, là. Les poignets, le poignet. Ça sera une autre époque. Merci. Tu travailles ton poignet. Oui, j'ai travaillé mes poignets. OK, merci. Ouais. Et j'étais ambidex, fait que j'étais fort des deux poignets. Des deux poignets. Mais, quand j'avais presque, tu sais, j'avais pris une coupe de bière, mais j'avais jamais pris de drogue. Puis à 19 ans, je me suis dit, j'étais dans un party. J'ai commencé à faire de l'humour. J'étais dans un party, puis quelqu'un m'avait dit, hey, il y avait un joint qui se passait, puis j'ai fait, c'est quoi ça? Il m'a fait, ah, c'est du pot. Puis le monde a été bien. Tu sais, il n'y a pas cette pression-là de, quelqu'un dit, t'en veux-tu? J'ai dit, ah, j'ai jamais fumé. Puis quelqu'un a pris le temps de m'expliquer c'est quoi le boss. Puis il n'y a personne qui a fait, voyons, tabarnak. Tu sais, j'ai plus la pression de. Puis je me souviens de me dire, ah oui, je devrais fumer du pot. Je suis un artiste maintenant, je suis supposé de prendre de la drogue. La game. Oh, sure. Mais pour de vrai. Puis après ça, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, ben j'ai vu que. Je travaillais beaucoup en anglais quand je suis arrivé. J'étais au Comedy Works, qui tristement n'existe plus, mais c'était The Comedy Club à Montréal. T'avais Comedy Nest, Comedy Works. Mais The Works torchait, tu sais. Puis on était une petite clique, puis on allait fumer des joints sur le top, tu sais. Puis de fil en aiguille. Puis je me souviens. À cette époque-là, je faisais juste fumer. Je prenais des puffs de joint, je voulais pas en acheter. C'était pas parce que j'étais. C'était pas une affaire d'être cheap, pas de. Je savais qu'il y avait une frontière. Puis les gars sont tannés, évidemment. De donner du pot. Ben, c'était tout le temps, man, pourquoi qu'on fume jamais ton stock? Ben, parce que j'en ai pas, tu sais. Puis quand t'es chum gelé, tu te rends compte que t'es en train de les fourrer. Ça fait longtemps en crise que t'es fourré, tu sais. Ben. Et. Puis un gars qui a dit, je vais te présenter mon pusher. Puis. J'en ai fait des gammes, mais hey man, je m'attendais à arriver chez un biker de fucking 8 pieds 10, esti. Des bras d'un gars sur le jus, esti, avec une porte en or, puis des flammes, man. Puis je me souviens, c'était un petit Colombien de 5 pieds 2 avec une bedaine. J'étais vraiment déçu. C'est rêve. Rien d'impressionnant. Non, c'est un gars, man. T'es pas supposé avoir peur de ton pusher ou quelque chose. Je connaissais rien. Mais joke à part, j'avais acheté un gramme ou deux. Il y avait plus de branches que de potes, esti. Okay. Mais je me souviens que je l'avais mis sur la table. Et je l'ai regardé longtemps, puis j'ai fait « Fuck ». Je viens de traverser, je viens de passer l'autre bord de la clôture. Je viens de traverser payé. La porte. J'ai accès à de la drogue. C'est ça que merde. Je voulais pas. Ça a été même affaire avec la coke. La coke, c'était un style de... J'étais dans un party, puis je suis sous de même.
Et quelqu'un sort de la poudre. Je dirais pas qui, parce que c'est quelqu'un quand même connu. On est juste tous les deux. Et j'ai vécu à 32 ans de l'intimidation de cours d'école. Parce que il m'en a offert. Lui, il savait pas que je n'avais jamais pris. Et j'en ai pris parce que j'avais peur d'avoir l'air moumoune devant lui. À 32 ans! Pression sociale! Mais je me souviens que j'étais sous de même. Puis moi, quand j'ai sniffé, je vous niaise même pas. La première... Tout le monde sait c'est quoi de la poudre, c'est pas quoi? Non, mais tout le monde a entendu parler. Oui, on a entendu parler. Tout le monde fait, mais tout le monde sait que c'est un wake-up. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Écoute, continue, tu vas finir par le croire. Merci. Mais la première chose que je me suis dit, c'est tabarnak, je peux boire éternellement. Oh shit, c'est un vrai alcoolique. Parce que moi, j'adorais l'alcool, j'adorais le goût. Écoute, ces bouteilles-là, là, moi, tellement boire, je me souviens qu'à la fin, les dernières années, là, des fois, je rentrais en tournée après un show, on sortait, là, pis t'sais, ils avaient... et ça me prenait 5 minutes de décider ce que je voulais boire parce que j'étais tanné de tout. Wow! J'étais tanné du cognac, j'étais tanné du gin, j'avais tellement eu de brosse sur tout que c'était comme... Ça a l'air qu'Aura, elle en veut. Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Éteins ici, t'as t'es qui, là? Fais Jésus confiance. Fais Jésus confiance. Je te promets, j'allais chanter. Yo, il est con, ce gars-là. Yo, j'allais chanter, mon gars. Yo, fallait que je chante. Parfait. Jésus. Oh, mes amis. C'est merveilleux. Moi, je crois que tu allais lui poser ton ultime question, moi. Ah, oui, c'est quoi l'ultime question? Ouais. Avez-vous fini? Non, moi, j'ai fini, moi. Ouais. Bah, attends un moment. Max. L'ultime question. Right. Ouais, c'est ma dernière question, moi. Let's go. OK, parce que pour vrai, tu te as bien éduqué. Je trouve que pour vrai, il était un tueur. T'as été super dope. Ton parcours, vraiment, avec tes trucs de... Parce que nous, les citoyens, comme moi, nous ne faisons pas ça. Mais dis-moi, dans quel... Je préfère dire le peuple. Ça me rassure, ça me fait sentir... Non, je préfère dire le citoyen. C'est vraiment eu un silence de... Là, il a été trop loin de tout ce que j'ai dit depuis tantôt. C'est... Tout est passé, mais le peuple a fait tabarnak. Pour qui se prend, quand on est... Alors, vas-y avec la question. Dis-moi, Max. Dans quelle ville ou quel pays que tu as eu la meilleure sloppy toppy de ta vie? Sloppy toppy. Ouais. Ah non, Maxime, c'est... Connais. Sloppy toppy? Yeah, sloppy toppy. C'est quoi le... Tu vois, je sais pas c'est quoi. Ah, sloppy toppy. Yeah, that's sloppy toppy. C'est ici au Québec. Oh, pour vrai? Ouais. Mais je me souviens que j'ai... Ben, parce que, honnêtement, j'ai pas baisé si souvent que ça à l'étranger. OK. Parce qu'il y a quelque chose quand t'es connu qui donne... L'approche est plus facile... Parce qu'en fait, en général, c'est souvent l'autre personne qui va peut-être faire les premiers pas ou tout ça. Fait que des fois, j'arrivais ailleurs, puis tu sais, j'ai pas d'or de cruise, parce que tu comprends-tu? Puis, tu es en vacances ou tu es en famille, c'est un autre contexte. Mais je me souviens, quand j'étais en France, j'ai quand même passé un an en France. Fait que j'ai eu des rencontres, j'ai baisé avec des Françaises, puis. Cash! Elles autres, non, mais Chris, elles autres, quel bonheur, c'est-tu, un gars circoncis. Oh! Ah ouais? Ben c'est oui. Spécial pour eux, genre. La ben top, c'était en Europe, ils ont tous des cols roulés, tu sais. Ah, moi, j'aurais cru que c'était le contraire. Je croyais que tout le monde serait circoncis en Europe. Non, mais en France, tu sais, c'est... OK, t'as eu le... Oh, ben, putain! Ouais. Tu sais, à chaque année, chez Tim Hortons, là, il y a le roll. Ouais, le roll. Rouler le rebord. Bon, ben, en France, c'est déroule le rebord. Ah, putain, il est circoncis, lui, putain, hein? Ouais, du coup, là... Ben, regardez! Fait que... Ouais, j'avais un gland populaire de par le fait qu'il était... Circoncis, OK. Qui avait un T-shirt et non un col roulé. Oh, okay, man! OK, wow. En France. Que quoi? Ta meilleure sloppy top. Non, ben en fait, non, mais elle est ici. Elle est ici. Ah, ouais, je me suis encore très bien. En oh, fait, OK! Ouais, le top 3 est ici au Québec. Ah, oh, le top 3 est au Québec. On va donner ça, je veux dire, honnêtement, je veux dire, il y a bien des choses, tu sais, c'est une chose qu'on fait bien au Québec. Juste par des Québécoises ou bien t'as eu d'autres ethnies? J'ai baisé une fois avec une femme noire, mais c'était en Ontario. OK. J'avais 24 ans, à Windsor, et je me suis encore... C'est l'autre, tu me parles de ça, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Asti que j'ai resté... Annuel, si j'avais été...
une des plus belles femmes que j'ai vues de ma vie. Yeah, une douceur, esti de... Oh, man, ouais. Black woman! Exact. Anyway. Ouais. OK, OK. Et j'ai jamais... On tombe là-dedans, mais... Le mot fantasme est peut-être pas bon, mais j'ai toujours voulu avoir une date avec une femme asiatique aussi. T'as le droit, là. On a tous des fantasmes. Ouais. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est une culture que j'aime, c'est une culture qui me parle. Ouais. Ben, moi aussi, mais c'est la culture de la fille. Ça va avec la culture. Okay. En général. TSM, okay. Boy! What the fuck? Ben yo, moi, je vais pas faire semblant, c'est un fétiche que j'ai, man. Qu'est-ce que t'as? J'aimerais, de façon fétichiste, avoir une asiatique. C'est quoi le problème? Je m'assume. T'es jamais allé dans les... Non, je n'ai pas encore... Anime. Ah, les dans les happy hours, là? T'es jamais allé dans les happy hours? Non, pas encore. Faut que t'ailles au karaoké. Bon. Non, j'ai pas été au karaoké. Il est connu. Donc, Maxime, vu qu'on l'émission tire à sa fin, c'est à quoi qu'on doit s'attendre de M. Maxime Martin, là, c'est quoi? Mais là, au moment où on se parle, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais là, dans 10 jours, je pars en France. OK. Pendant un mois, mais ben oui, dans tout... Depuis un an, j'ai tout crissé à l'envers, puis c'est comme j'ai voulu juste comme plonger dans l'aventure de... Je suis en crise à 50 ans, mais c'est une belle crise à 50 ans. Je veux attaquer ma bucket list personnelle et artistique avant d'avoir 60 ans. Fait que la France, mon podcast deal avec. Mm-hmm. On va inverser les rôles. Ben oui. Non, mais c'est ce que j'aime, honnêtement, de la communauté du podcast. Crise de belle fraternité de gens énormément de changements du showbiz que je connais, de la télévision puis de la radio et tout. Puis en train d'écrire le prochain show. Puis un nouveau livre, un deuxième livre qui va sortir au printemps. Qui va être... Nice! Yo, Maxime, moi, je te dis maintenant, j'aimerais vraiment aller à ton podcast. J'aimerais bien ça que vous soyez là. Parle-nous pas de rock. De rock? Ouais, parce que je vois que tu parles avec tes... Ah, j'écoute du Metallica, moi, tu peux me parler. J'ai eu une face Nirvana, ça, homme. Yeah, même moi aussi. Et j'écoute du Coldplay. Pas ça! OK. Non, mais attends, moi, c'est une question que j'aurais posée. Je peux-tu? Je vais en profiter parce que j'ai toujours été curieux. Parce qu'on a vu que le rap a quand même eu un impact sur les jeunes ados blancs, banlieue ou inner city, whatever, aux States. Cash. Comment ça se fait que le grunge a jamais eu le même impact sur la communauté noire? Ça, mais grunge! Nos parents. Tu m'appelles. Non, mais je veux qu'on me réponde à ça. C'est quoi grunge? Tout ce qui est Nirvana, Pearl Jam. Non, mais non. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'artiste tel quel vraiment qui représente ce type de musique qui n'a pas contribué. C'est ça, hein? C'est vraiment des de personnes à qui s'identifier. C'est ça. Non, moi, je pense pas ça que ça aiderait. Ben, ça aiderait, mais. Je peux juste te répondre ça. Mabi. Non, moi, je peux te répondre pour de vrai. C'est qu'il fut un temps, le rock était écouté par tout le monde, c'est la première musique qui fut un temps. Ben oui. Mais il fut un temps que certains types de rock utilisaient certains types de paroles qui attaquait directement nos communautés, qui envoyait certains types de messages. Ah, ouais. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Mais si, admettons, moi, j'écoute du Metallica, mais si tu t'écoutes Metallica des années 80, je m'excuse, il y a des choses qui disent... Pour vrai? Ben oui, contre les femmes, contre les noirs, contre certains... Contre les noirs? Ben oui, contre les femmes, contre les noirs, contre les homosexuels. Sexisme, mais raciste, ça me surprend. Homosexuels aussi. Faut que tu comprennes qu'il y avait une certaine culture dans le temps. Puis à un moment donné, surtout le rock américain était rendu une culture très redneck dans le temps. L'identité, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc automatiquement, aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus les mêmes paroles. Et même dans le temps, il y avait des groupes rock qui n'avaient aucun rapport là-dessus. Mais nous, les communautés racisées, on a quand même gardé ça. Parce que quand un noir qui allait à Woodstock se faisait stomp, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que nous... L'appartenance au rock, malgré qu'on a grandement contribué à sa création, on s'est détaché de ça. Fact. En tout cas, moi, je ne sais pas tout ça, mais bon. J'écoute en plus. Je suis vraiment content que tu vois, et voici ce qui arrive quand les gens prennent le temps de discuter. Exactement. Voilà. Encore une fois. Ouais, merci à vous autres. C'était merci vraiment génial. J'espère qu'on va y aller dans ton podcast. Clairement. Yo. Je reviens d'Europe et on se parle, c'est clair. Let's go. Je suis votre host, Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardzilak, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk, Fight Chop. Fight Chop, le nom à Gardzilak. Mon autre co-host, Edlin, Mr. Pluggy. Let's go. Notre autre host ce soir, special host, Margarita Papi Ray.
et notre très cher invité, OG humoriste, Martin. Maxime Martin. Maxime Martin. Quelle fin ça a arrêté. Special shout-out pour le chien. Exact. Allez, merci tout le monde.